maintenant, ça dit de balancer des dossiers sur moi. Mais balancer des dossiers, quoi, ouais, je suis... Ouais, j'ai eu des mecs, ouais, et alors, on en parle de ton passé d'escorte, on en parle de ton passé de pute, ou même ton mec te disait de retourner à Dubaï faire ta pute. Donc s'il te plaît, maintenant, commence pas avec tes histoires encore, d'accord? Donc je vous dis déjà ce qu'elle va vous dire. Alors, Yelena, c'est une puce, elle a travaillé dans un bar à champagne, elle a fait la salope, elle a fait la pute. Voilà déjà son prochain snap. Voilà, on parie combien? Donc j'ai jamais vu une meuf aussi bête que celle-là. Putain, la meuf, c'est une des filles des plus cocues limite. Et elle arrive encore à prendre la défense de son mec, de son ex. Elle arrive encore à dire qu'elle va rester amie avec lui et des trucs comme ça. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bête! C'est un truc de dingue! Vraiment bête! En fait, la meuf, je parle même pas d'elle. Même pas je parle d'elle, en fait, dans les snaps. Et là, elle commence à venir ouvrir sa bouche il y a 3 heures dans ses snaps sur moi. Mais c'est quoi, en fait, le projet, la vérité? Tu dis que je suis inexistante pour toi, mais je vois qu'apparemment, non, hein. Donc, toujours la même réplique des gens. Ouais, si elle commence à faire la maligne, je vais sortir des dossiers sur elle. Mais ça va là, en fait, tes dossiers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois que ça va changer ma vie, un truc. Tu crois que je vais être malheureuse parce que tu vas sortir des trucs à la con sur moi? Vas-y, si tu veux, je t'en prie, en fait. C'est moi qui vais rigoler encore. Donc, va fumer ton joint, va prendre ce que t'as à prendre et arrête de me casser la tête, d'accord? Parce que moi aussi, j'ai des petits dossiers à sortir sur toi, hein? On reste bien calme, s'il te plaît. Gauche dans le mouvement, tout mousse en garé dans la cola. On est bien, on est rempli de l'eau. Entouré de mes gauches dans le mouvement, tout mousse en garé dans la cola. On est bien, on est rempli de l'eau. Bon, je vais prendre 5 minutes de mon temps précieux pour discuter du tweet que je viens de voir de Manon Marceau. Donc Manon Marceau décide de se mêler des histoires, elle commence à tweeter des choses. On va bien remettre les choses au clair, ma cocotte, d'accord? Donc la meuf, là, elle a été cocu pendant je sais pas combien de temps. Son mec, il a bien vidé ses couilles. Il revient vers elle, la meuf, elle se sent plus là en fait. Elle a besoin de commencer... Moi encore, bien gentil, je n'ai rien fait, je n'ai pas commencé à jouer dans son petit jeu quand j'étais là-bas parce que toi t'étais encore dans la maison, que j'avais pas trop envie de faire des petites choses devant toi. En fait moi je sais pas, mon mec il se serait tapé mais toutes les candidates de télé-réalité, en fait je viendrais même pas ouvrir ma bouche, j'irais me cacher, donc clairement meuf tu peux vraiment aller te cacher, franchement évite de l'ouvrir à ta bouche. Ça fait la meuf toute bonne, toute puissante mais c'est même pas capable de garder les couilles de son mec en place quoi, donc je sais pas quoi. Ouais, là je comprends pas. Voilà, de dire que ça se fait pas par rapport à Manon. Et là, la meuf elle commence à venir ouvrir la bouche. Mais attends, mais en fait c'est une grosse blague quoi. Là, waouh, je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais faut qu'elle ressente un peu les pieds sur terre celle-là. Donc voilà mes petits chats, moi je vais plus parler de ça. Moi je me suis permise de commenter parce que je suis un tout petit peu impliquée quand même dans certains articles qui se passent. Donc ouais, franchement, ça me fait rire quand je vois qu'un type fait malheureux après son ex, alors qu'à chaque début de tournage, tu te débrouilles en fait pour être célibataire. Donc ouais, franchement, moi ça m'a fait rire. Donc ouais, je l'ai dit. Voilà. Après, si la meuf, elle est pas contente, j'en ai strictement rien à foutre. Moi je suis là encore pour... je dis ça parce que ouais, ça me choque et tout, donc limite, je suis encore en train de montrer un petit peu que j'ai de la peine limite pour la Manon là. Et puis là elle commence à venir ouvrir sa bouche, mais s'il te plaît, allez, s'il te plaît, va faire ta fuite ailleurs en fait. Donc voilà, je vais pas trop en dire parce que je peux pas trop parler, mais franchement, leur couple à 5 francs. Donc voilà, quand je parle pas de toi, ne parle pas de moi, s'il te plaît, merci.